Et salut à toutes et à tous, c'est MythonoGames, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le quatrième épisode de Arc Olympus. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, je vous retrouve avec un brouillard agréable et en compagnie de monsieur AKDLP. Hello. Coucou. Alors, il y a un Terry là en face, il y a deux Terry d'ailleurs. Alors, lui c'est le 140 et lui c'est quoi? Lui c'est... Attends, il y en a deux. Ah non, l'autre, c'est un normal. Ok, donc il y a un Terry Apex 140 et j'ai très envie de le faire, mais le brouillard, ça risque d'être un peu chaud, surtout que je vais le faire au snipe, en fait. Ouais, je crois qu'on va juste attendre la fin du brouillard, hein, parce que si je le vois pas et que je tire dans le vide, c'est un peu con. Par contre, j'ai réussi à trouver un point en hauteur. Et ça, c'est cool. Vas-y. Allez, je suis chaud. Ça touche. 7000 de torpeur le snipe, ça c'est cool. Allez, viens par là. Ouah, la vitesse aussi. Ouah. Touché. 14, 19, 21, 26, 35. Ok, 49. Dernière balle. Ensuite, je prends celui-là. 56. Ouais, j'ai 65. Ok, est-ce qu'il est en fuite? En fuite, ouais. Attends, je vais remettre des balles dans le snipe. L'autre. Il va peut-être revenir. Fais attention où tu es, hein, pas que tu prennes une tatane là. Allez. Il me reste une balle. Il manque une balle. Ouais, j'ai pas envie de la rater. Terrorbird, suis-moi. Je l'ai en visu toujours. Je me rapproche pour pas la rater parce que ça serait vraiment con. Jamais tu le raptor, ouais. Allez. Ah oh. Ok, il manque une balle de fusil. Recharge. Ah, 3000. C'est bon. Une balle comme ça, il dorme. Yes. Nickel. Oh putain, 48000 PV, le gars. Ok, sécurise bien les alentours. Je m'occupe de le réveiller. Hop. Allez. Oh, je l'en fous directement. 3. On va voir ce que ça donne. Ok. Le timing a commencé. Allez, 95. 96. 97. 99. Yeah! Trop bien. Trop bien. Allez, regarde pas, devine la vie. Il y avait combien avant? 48 000. 48, 60? 62, ouais. Et oh, il a 835 de dégâts de mêlée. Attends, je le mets en passif, il faut pas qu'il tape. On va le ramener, et puis on va taper un coup avec. Ouais. On va se faire plaisir. Chez nous, c'est... À droite. Tu remontes la rivière, en fait, ah, là. Ouais, c'est ça. Ah, mais il faut qu'on passe là derrière, non? Ouais, c'est possible. C'est mieux de passer par là. Comment j'ai sauté en fait? Ah ouais, non, c'est mieux passer par là, il y a le chemin. Il me suit? Ah ouais, il va vite en plus. Ouais. Ho ho! Ah mais c'est cool ça. Attends, il y en a un deuxième là de Terry, mais il est normal. Ok. C'est bon, on arrive à la maison. Oh putain, ah ouais, d'accord. Il est. Genre, je vais super vite et il est derrière direct. Et il nage vite? Ah oui, il nage vite. Cool! Ça va leur faire tout drôle aux copains. Je vais vite aller faire un atelier du coup primal. Ouais. On va voir pour faire la selle. Qu'est-ce qu'il faut pour le primal atelier? Il faut. Ah putain, il faut du cristal. Mais roule, on n'a pas trouvé? Je sais pas. Ok, on a l'atelier. Merci à Skell, elle l'a fait. C'est sympa. Celle de Terry, il manque encore un poil de bois. Et elle est faite. Elle est faite. Elle coûte une blinde, mine de rien. On va prendre l'ankylo. On va aller direction le Terry. Et on va voir s'il cogne bien. Je pense qu'il doit bien cogner. Je crois que j'ai vu un fiomier en plus pas loin. On va tester dessus. Ah, cet ankylo aquatique. Mais en vrai, il se déplace beaucoup plus vite dans l'eau que sur terre, l'ankylo. C'est ça qui est marrant. Genre là, sur terre. Ouais, ça va. Je pense que c'est plus ou moins pareil. Ok. Le Terry, il est là.
Ah, oh, je suis pas rapide. Allez, plus vite! Cool. Et hop, pardon! Huh. Oh, 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 oh. Oh, ça va être le massacre. Oh, ça va être le massacre. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. Et au niveau de la récolte? Cool. Et pareil pour les baies. Oh, c'est sympa. Vraiment belle bête. Soldats aux armes. Bon, comment dire? J'ai ouvert ma carte. Et sur ma carte, il y a un point rouge qui s'appelle Titan des forêts. Vous êtes chaud? Oui. Chaud patate. Bah, c'est surtout le réplicateur, je crois, qui nous motive. Donc, ouais, on va aller le faire. On va aller faire le Titan. J'ai pris mon super pompe, du coup. On a pris le Terror Bird, le super Teresino. Et ce qu'elle a, sa super Fable Mantis. Et attendez, il y a le loutre rouge. Pardon, 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 pardon. Pardon. Attends, attends, attends. Peut-être qu'il est pique. Enfin, j'espère qu'il est surtout mythique. Alors, attention. Ah. C'est une veste en chitine inhabituelle. Du coup, let's go. C'est dans la redoute que ça se passe. C'est juste en face. Je pars un poil en éclaireur. Et puis s'il y a danger, je vous dis d'aller à gauche ou à droite. Tu vois? Là où tu vas sauter, il y a le spino. On va sauter un peu plus sur le côté. Bon, on est motivé. Qui va lui dire bonjour en premier? Allez, on y va. Allez, j'avoue, on y va. J'avoue qu'il est un petit peu en mode fatigué aujourd'hui. Non, non, il est pas en mode fatigué, non, non. Attends, 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 on y va, on y va. Y'a pas normalement une musique quand on fait un titan? Je suis décédé. D'accord qu'il y a pas de musique, hein. Ouais, rien, rien. Je vais tester mon pompe. Prêt pour le pompe? Allez, pompe! C'est très nul. Par contre, vous pouvez choper des wyvernes, hein, puis aller lui foutre le feu. Si vous arrivez ouais, à en choper. Bah, je crois que je vais faire ça. Essayez avec les wyvernes. Je vais me rapprocher. Putain, je lui mets rien du tout. Faut viser la tête. Oh. Allez. J'ai une wyverne. Ah mais il a pris déjà tarif en vrai, hein. 100 000. C'est bien, j'ai c'est une wyverne aussi. Il est où mon Terror Bird? Près du Titan. Non. Ah non, il est là-bas. Ça. Ça. Bah, près du Titan, quoi. Wouah! Oh putain, je suis mort. Non! Ah, mais c'est. Il m'a décelé à cette attends, t'as... t'arrives à siffler sans. Ah merde, la wyverne elle veut plus de moi! Oh non! Terry! Ah non, 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 mais je suis à pied moi, je suis piéton! Je suis piéton! J'ai dû siffler un passif pour qu'il me suive le. Mais le Terry! Mais j'essaie de le siffler aussi, mais il, est pas... il vient pas passif, on est trop loin. Allez, viens là. C'est bon. Allez, viens là. Viens, viens, viens. Aïe. Viens, 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 mon Gugus. Allez, arrête de le siffler, Skell, parce que j'essaie de le siffler, en fait, il change. Terry. Pourquoi il bouge pas? Terry, lui, lui, c'est bon, on a sauvé le Terry. Ouf. Oh, ok. Il en est où, le Titan? Ok, il a perdu un petit peu. Tout va bien. Ouais, oh, c'est plus chaud que je le pensais, hein. En même temps, mon pompe, il fait de la merde. Ok, le temps que Kaka il arrive, je vais essayer de m'éloigner un peu avec le Terry. C'est moi ou il est en train de me suivre en fait? Ok, je vais mettre le Terry un poil en sécurité. Je réactive 2 secondes la longue vue. Et on va essayer de repêcher une wyverne. Là, il y a une wyverne. Elles sont sympas ces petites wyvernes, hein? Ouais. Ok, je le mets en passif ici le Terry, j'espère que c'est assez loin. J'y vais avec la wyverne. C'est parti! Vas-y, prends le relais parce que moi j'ai plus de stab. Est-ce que c'est mieux de bite ou de souffler? Ouais, quand t'es.
Ah ouais, en fait, tu peux que souffler le feu. Et en fait, tu vois sa jauge, et dès qu'il n'y a plus de jauge, je pense qu'elle tombe à lui-même. Ok, je vais descendre. Avant que ce soit trop tard. Ok, j'ai une nuit de nouveau. Hop. Je reprends le poump. T'arrives à rejoindre Akar ? Je suis en chemin. Ah mais attends, attends, il y a carrément l'agro sur moi. Je suis à pied. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez me laisser tranquille. Ok. Ah mais la Wyvern, elle l'attaque de base. Ah non, mais c'est toi. C'est moi. Ok. Ok. Bon, le Terry, il faudrait qu'il régène un poil plus vite. Je vais remonter dessus, je vais me tirer avec. Parfait. Allez, je retourne au cac. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, je me tire. Je fais quelques petits assauts comme ça. Il aurait fallu une plante Z là qui régène, mais j'en ai pas vu dans le coin. Ouais, attention quand tu fais cette attaque là. Mais je pense qu'on peut l'avoir, hein. On peut franchement l'avoir. On en a fait la moitié déjà. Il y a une Wyvern qui s'est posée à côté de moi en plus. Elles sont sympas ces petites Wyvernes là, moi, franchement je trouve ça super stylé. Elles sont jolies en plus. Ouais. Allez, 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 allez. Ah, il aime pas le feu, hein. Ah, je dois me poser. Ah, oh, ta merde, la Wyvern. Déglingue, on déglingue. Ça fait mal les petits coups de 150 là, sous ses pieds. Allez, on se tire. Ah ouais, il a. Hey, il est bientôt un tiers, hein. Je vais essayer de me pécho la Wyvern qui est là-bas. Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît. Mais ça fait rien. Je trouve que c'est marrant. Ouais, bah. Bah, ça t'immobilise, quoi. Ouais, marrant. Non, mais la Wyvern, chaque fois que j'arrive vers elle, elle s'envole. Allez, pose-toi. Oui, 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 oui. La mantis, elle a fait un dérapage non contrôlé. Ok. Ah, mais elle a plus de souffle, celle-là. Attends, je vais finir sans souffle. Elle va me jarter. Ah. Ça fait mal, ça. Oh. 1500, ça va. Ah, mais... ma lance, elle a cassé. Il reste un petit tiers de vie. Il veut pas renvoyer des Wyvern, là? Ah bah, si, si, il y en a une, là. T'en as une à côté de toi? Oui, bah, je l'ai pas vu. Je peux pas monter dessus. Monter, Eh plus d'énergie. Elle va pas me foutre le feu des fois. Non, ça. Non, elle veut pas. Attends, ça fait quoi si je la bute? Ah, mais peut-être qu'elle doit recharger en fait. Ça se trouve. Moi je les bute. En fait, il y a un nombre limité de Wyvern. Mais... là, je suis bien. Là, je suis très bien. Allez, monter en bird. Aïe, aïe, aïe. Cassos. Cassos très très loin. Allez, vas-y. 70k. Oh non. Oh non. Quoi? Bon. Je suis à ses pieds et je suis en... je suis totalement ta merde. Je suis morte. Non. Je m'occupe de la mantis. Y'en a la mantis. Non mais... tu l'as... oh, puis on voit rien. Viens ici. Mantis. Ah, je me suis trompé de lui. Elle se défend, Mantis. Elle attaque. Siffle ouais. Bastif. C'est bon. Voilà. Viens là. On va essayer d'occuper le titan. Oui, y'a pas de problème. Ok. Tac, tac. Elle est comment, la Mantis? Ah, mais elle va bien. Je t'emprunte un petit peu, ça va?
On va attendre que tu reviennes, par contre. Vas-y, vas-y, parce qu'en fait, on a un spino corrompu à la maison. D'accord. C'est sérieux? C'est un détail. Ouais. Allez. Ah, faut que je me pose. Ouf. Et où monte? Aïe, 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 aïe. Allez. Je vais voir si je peux pas faire un peu de bouffe quelque part. Histoire de régénérer un petit peu le Terror Bird. Allez, 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 allez. Bon, il faut que je m'éloigne un petit peu. 100k. Ouf. Mais j'ai toujours pas trouvé d'endroit où faire de la viande en vrai. En même temps, il a buté tous les dinos aux alentours, j'ai l'impression. Il aurait pu spawn dans notre base et puis tuer les spinos corrompus dans le spawn. Ah, il y a des dimorphes qui volent, super. Ok, j'ai de la bouffe. J'arrive. Hein. Il reste encore un peu de vie. Ouais. Ok, je vais vite buter le diplo. Manger. Ok, on le finit avant qu'il retourne. Aïe aïe aïe. Ouais, bah, qu'un casseur là-bas. Ah ouais. C'est mieux. J'ai 60k. 55, 52. J'espère que mon terror il va pas passer. Allez, 33, 28, 24. 24. Ça va être limite pour le terror. 17. Allez, on peut le faire. 5, 2. Yes! Oh! Attends, qu'est-ce qu'on a? Téléporteur, Celtec, épée, réplicateur. Oh, jambière! Qui l'a tué? Vous avez récupéré du soft, je pense. Aka. C'était moi qui l'ai tué? Ouais. Son tir. Je vais regarder. Vas-y, regarde dans l'inventaire, c'est plus simple. Oh, t'as eu des trucs de méca? Des schémas de plastron tech. Deux arcs à poulies en. Ouais, bon, pas ouf, mais c'est cool. C'est cool. On n'a pas eu d'éléments par contre. Dommage. Bah, GG! Bien joué! Il faudra faire des éléments. On pourra en faire des éléments en vrai. Il y a des veines d'éléments et il y a. Puis il y a la poudre d'éléments qui fait des éléments. Bon, aujourd'hui, cet épisode sera évidemment consacré à la maison. Alors, j'ai fait une petite base en bois. Évidemment, les murs, on va les mettre en bois. Alors, il y a plusieurs bois. Moi, j'aimerais un bois assez simple. Ouais, voilà, le bois 4 ou 5, peut-être. Le bois 3, le bois 2, le bois 5. Allez, va pour le bois 5, ça me va très très bien. Wooden 5. Là aussi, on peut mettre du wooden. Oh, c'est joli. C'est très très joli. On va mettre un petit cadre de porte. D'accord. Ça, on va mettre du wooden. Ça, on va mettre du wooden. Et ça, on va mettre du wooden. Ça va être génial. Allez, ma maison, elle va être trop bien. Alors ça, c'est le balcon, hein, si vous vous demandez. Petit balcon avec vue sur le lac. Il y aura peut-être des escaliers. Je sais pas encore comment ça va se goupiller. Mais ça va être cool. Ça va être cool. Ça va vraiment être une très chouette maison, je pense. Là, il va falloir mettre des vitres et tout. Par contre, pour les vitres, ça coûte quand même une blinde. Parce que chaque mur... Déjà, ça coûte du métal pas cuit et de la pierre. Et derrière ça, ouais, ça fait son petit peson d'or, comme on dit. Alors moi, ce que je vais faire... Non, on va arrêter avec ça. On va simplement, voilà, faire une entrée ici. Ça sera, entre guillemets, l'entrée principale. J'enlèverai les fougères après. Ça, on va mettre, évidemment, en wooden. Et puis franchement, ça va être... Ça va avoir de la... Je pense qu'il y aura un petit peu de gueule, un petit peu de cachet à cette maison. Reste à voir comment ça va se goupiller, mais j'ai très hâte. Très hâte que ça se finisse. Bon, on voit pas grand-chose, mais la cheminée, je la mets ici. Est-ce qu'il y a plusieurs types de cheminées, d'ailleurs? Oh! Oh! Quelle cheminée va avec le bois? Obsidienne? Non! Granite? Hein? Hellfire? Ah oui, bien sûr. Sandstone, c'est pas dégueu. Mossy? Non. Graystone? J'hésite entre Greystone et... Matière noire, bien sûr.
Ouais, plutôt sandstone, je trouve ça s'adapte bien. On verra. Pour l'instant, on va garder ça, je trouve que ça va bien. Là, on mettra une porte, mais j'aimerais d'abord mettre la porte principale, en fait. Genre ici, qu'on va mettre en bois. On va d'ailleurs ajouter ça. Redwood. Ah, mais il y a plusieurs types de bois, en fait. Redwood, obsidienne, wood. Bah, wood. En fait, on va garder wood. Elle me paraît petite, la porte. Non, ça va. Ça va, ça va. On va d'ailleurs mettre une porte aussi ici. Voilà. Eh bah franchement, c'est sympa. Eh, cette petite baraque, là, il y aura le salon et tout. On pourra mettre les ateliers. Ouais. En plus, avec ce mode, je crois que le centre d'usinage et tout, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a le centre d'usinage, mais ça s'appelle pas centre d'usinage, c'est pas technique. Ça, c'est plutôt intéressant. Il va falloir qu'on regarde un petit peu. Je sais que le grill ou la cuisine, c'est ça. Il faut du ciment. Ça, pareil. D'ailleurs, on va vite mettre ça dans le grill. Ouais, voilà, j'ai le ciment ici. Cool. Tac, on va mettre une broche, un chaudron. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal du tout. Et puis après, il y a d'autres trucs qui se font, donc on verra tout ça. Tout ce qui est technique, je crois que c'est ici. Pas du tout. C'est ailleurs. Bref, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Si je regarde là-dedans... Non. Et si je regarde là-dedans... Non plus. Bon, ben, ça doit être là-dedans, mais je n'ai juste pas trouvé. Je sais qu'il y a une forge spéciale. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Blacksmith. Ah ben voilà, c'est ça. Ça, c'est notre atelier. On a nos coffres de rangement. Et puis après, le reste, ça sera la découverte. Hop, le chaudron, le rôti. On va aller placer ça. Hop. La petite broche, le chaudron. Ah ben, c'est nickel. Tellement bien ce mode, j'adore. Bien, bon réflexe. Ok. Donc le mana alpha il est là. Ok, nice. Ok, il nage. Ok, il faudra qu'il aille de l'autre côté du biome. Ah, nickel là-bas. Il me suit ? Non, il est sur les mammouths. Bon. Tout va bien. C'est mieux là que dans la redwood. Hein. Ouais, c'est. Je lui mets une balle de snipe ? Vas-y. Ah putain, attends, j'attends juste qu'il se repose et je le plante. Vas-y, moi je lui mets une de fusil. Ça augmente? Ouais. Allez, encore une dernière balle et puis on est bon. Ok. Il est posé. Il dort. Ouais, cool. Bien joué. On va farmer rapidement de la prime. Béro, tu... Je reste à côté. Ouais. Enfin, pas trop près. Vous arrivez à me dire combien il en faut? Je vais te dire. Il en faut 10. Oh, j'ai déjà, c'est bon. Ouais. Ok. Timing fois combien on met? Le helper? J'en fous 2. Enfin, j'ai un fois 100 et des fois. Mets une fois 100 déjà. Ok. Je lui mets ça en rab derrière. Terrobard. Tu as. Quoi? Non, 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 non. Ah! Putain, je me suis éloigné, j'ai eu peur! Ouais, moi aussi, je me dis, il est où? Je fonce dessus. Tu mets la viande? Ah ouais, c'est bon. Il neige. Ouais, il en a de la pourrie, mais il en a de la pas pourrie. Ah, la vitesse. Ah ouais, c'est du 10 par 10, les pourcentages. Cool, 70. Ah ouais, la vache! Eh ben voilà! 80, 90. C'est bon! Bim! Trop bien! Cool! Un canne à ton nouveau jouet. Oui. 194, 30 000 PV, 360% de dégâts de mêlée, 5700 de stam, pour un mana c'est pas mal la stam. Ouais. Cool. Rampam, rampam, pam, rampam. Tan ta 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 ta. Bon, messieurs, dames, on se retrouve avec une maison, ma foi, pas terminée, mais qui commence à être un peu spéciale, un peu pas terminée. Oh, oh non, attendez, il y a encore de la pierre. Ah mince, bon, ben voilà, du coup, résultat de la maison, petit tour intérieur, j'ai pas meublé pour l'instant. Si ce n'est 3-4 coffres, en tout cas voilà. Il y a des étages un peu partout, ça fait quand même très médiéval l'intérieur, je suis assez content. Et ça, il va falloir vite changer. En tout cas, nous,
on va s'arrêter là. C'était un gros épisode. Il y a eu du timing, il y aura eu du titan, il y aura eu de la maison. La maison, elle a été faite en live finalement. Si ça vous intéresse, il y a les rediffusions qui sont disponibles sur Twitch. Et en attendant, on va mettre ça en bois et on va se retrouver au prochain épisode. Ah, attendez, je vais quand même vous montrer ce point de vue là de la maison. Au prochain épisode. Du coup, pouce bleu si vous a plu. Et on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao. Bye bye.